Coucou tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous. Moi je parle du principe où si. En fait, tu te casses une dent, tu vas chez le dentiste. J'ai une mécanicienne. J'ai rien compris. J'ai rien compris ce que tu as dit. Nobody can tell me that God is not patient. Cause girl with you, he took his time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tu préfères. Donc déjà je m'excuse, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment je suis tellement surchargée, j'ai tellement de trucs à faire en même temps. J'ai ouvert mon commerce il n'y a pas longtemps, du coup c'est-à-dire que j'ai des commandes, donc ça me prend un peu de temps. Du coup je suis désolée, j'ai mis YouTube un peu de côté, mais là je reviens avec une nouvelle vidéo assez drôle. Du coup c'est une vidéo tu préfères. Donc je pense que vous avez déjà vu le concept sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, enfin voilà. Du coup, bah, sans plus tarder, on va commencer en fait. Donc la première question c'est, tu préfères vivre riche ou être immortel? Je te laisse répondre. Bah moi je préfère vivre riche. Parce qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Donc en plus si tu restes la seule personne sur la planète, je vais avoir ses nuits. C'est rien. Moi, je dirais vivre riche. Parce que dans tous les cas, en fait, genre, plus les générations elles évoluent, plus le monde il devient chelou. Ouais, donc, ça sert à rien d'être immortel. Genre, vaut mieux mourir un jour et d'avoir vécu riche, tout ouais. Simplement. Parce que, franchement, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, ça donne pas du tout envie d'être immortel. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit être immortel, mais là, non, pardon. Bon, après, c'est ton délire, on veut la mourir seul sur la terre, écoute. Ouais, j'avoue, c'est ton problème, hein. En vrai, ça regarde que toi. Hein. Du coup, deuxième question. Tu préfères faire 1m50 ou 2m, étant donné que t'es une meuf? 1m50. Ouais. Moi aussi, je pense que je mets c'est trop. 2m. En plus, t'es une meuf, genre, ça doit être trop compliqué à vivre tous les jours. Moi, j'aurais pas le poids de. Enfin, la force de supporter. C'est trop 2m. Les regards, les critiques et tout. Enfin, genre, même dans la vie quotidienne, ça doit être trop chaud, genre, pardon. Moi, je préfère faire 1m50. Mais 1m50, c'est chaud. Genre, t'es petite. Ouais, mais. Même pour les jeans et tout, faire 2m, c'est chaud, hein. Ouais, j'avoue. Tu vas sauter. J'avoue. Alors que là, si tu fais 1m50, tu coupes ça dans ton jean, tu sais. Ouais, j'avoue. Du coup, question suivante. Tu préfères gifler maman ou gagner 10 millions? Moi, je pars du principe où. Si. En fait, elle sera pas d'accord parce qu'elle va pas savoir. Mais dans ma tête, je vais me dire qu'on va diviser l'argent en deux. Donc, moi, je la gifle. Arrête, au final, elle va être contente. Donc, je pense que c'est le bon choix à faire. Moi, franchement, je sais pas. Genre, gifler en mode Julien, En fait. Non, en vrai, moi, je vais dire à l'avance. Je vais dire, là, t'as vu, si je te gifle. Ouais, mais t'as pas le droit. 10 millions. Parce que, en vrai, quand tu fais 35, tu dois pas dire à l'avance. C'est directement sur le fait, il dort pas. Mais genre, c'est dire, je viens en mode. Oui. Bah, au pire, je mets une petite gifle, genre, comme ça. Bah non, sinon ça marche pas. Bah c'est une gifle. Non, genre. Non, ouais, je pense que c'est trop. Non, c'est trop, ouais. Non, une petite. Ouais, en gros, faut. Non, ouais, le claque. Mais moi, je prends l'argent. Parce que je sais qu'on va diviser, donc c'est bon. Ouais, moi, je sais pas. Je pense que si je le ferais, genre, je la gifle après, tout de suite, je lui dis en mode. Ouais, non, mais on va gagner de l'argent. Mais t'en as un que tu te donnes là, tu vas la mode. Ah ouais. Non, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, je pense que je la gifle aussi, hein. Pardon, maman. Pardon, maman. Elle est à côté. Faut voir comment nous a la chance, Scarface. Du coup, prochaine question. Tu préfères entendre ou voir? Je préfère voir. Parce que maintenant, on peut avoir des appareils auditifs et en plus de ça, on peut réparer les oreilles. Donc je préfère voir. C'est mieux. Ouais, je veux voir la vue, voir les gens. Ouais, c'est mieux.
pense mieux. Ouais, moi aussi, je pense que je préfère voir. Mais entendre aussi, c'est important. Non, voir, c'est mieux. Zama, tu vois pas. Tu vois pas ce que tu fais, tu vas pas où tu vas. Non, non, non. Par contre, ouais, j'avoue. En tout cas, force à ceux qui ne voient pas et ceux qui n'entendent pas. Puisque, genre, nous qui avons la santé de voir et d'entendre, je me dis, si on nous enlève ça, c'est chaud, hein. Chaud, 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 chaud. Franchement, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, donc du coup, moi, je dirais plus voir. Toi aussi, c'est ça. Ouais. Du coup, ok, prochaine question. Tu préfères tomber devant une foule ou tomber au premier date? Ah là là, moi je tombe devant une foule. T'es malade, tomber devant ton date, tu sais qu'il y a des caméras. Pourquoi tu te caches? On va te filmer. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Viens ici, on va te filmer. Putain, dégage. T'es malade. Et... Non, ouais, je pense que tomber au premier date. Bien sûr. Ouais, j'avoue, en vrai. Tu tombes pas. Non, non. Ouais, non, j'avoue, tomber au premier date. Ça arrive, c'était toute ta filade sur internet. Mort. Ouais, en plus, au premier date, genre, ce sera un souvenir, genre, ce sera drôle. Genre, vous allez dire, ah, je te rappelle quand t'étais tombée et tout. En plus, j'aurai pas le temps de filmer, donc pas de souvenir. Ouais, j'avoue, ouais, tomber au premier date, ton frère. Bien sûr. Non, je me ouf, ouais, j'ai dit tomber devant une foule. Devant une foule en mode, il y a full up de gens, ça veut dire tout le monde va rigoler et tout. Où est-ce que tu vas te cacher? Où est-ce que tu vas te cacher? Oh non, j'avoue, c'est chaud. Ah ouais, non. Ouais, bah du coup, tomber au premier date. Hein. Pardon. Du coup, prochaine question. Tu préfères avoir un style de ouf ou sentir bon? Sentir bon. Sentir bon. Après, ça dépend si vraiment, genre, si tu sais vraiment pas t'habiller, genre, si tu sais vraiment pas t'habiller. Moi, je c'est comme si, genre, bon. T'accordais du jaune avec du rose et du vert, genre. Je préfère sentir bon. Moi, je dirais plus avoir un style de ouf dans le sens où, genre, tu peux ne pas avoir d'odeur. Genre, t'as pas d'odeur, genre, tu sens rien. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas d'odeur. Genre, tu sens pas mauvais, tu sens pas. Pardon, tu sens pas bon, tu sens rien. Mais tu sens rien. Du coup, moi, je pense que je dirais avoir un style de ouf. Parce que sentir bon, c'est bien, hein, c'est une bonne chose. En fait, mais si tu sens rien. Ouais, mais du coup, c'est pas quand tu dis sentir bon, et du coup, si tu sens rien. C'est vrai que je penche plus vers le style, si tu sens rien au vrai de vrai. T'as pas d'odeur, genre. Ouais, du coup, moi, je préfère avoir un style de ouf. Pourquoi tu changes? Non, parce que attends, elle a dit sentir bon, elle a dit sentir bon. Moi, j'ai dit non, le style. Parce que moi, du coup, quand tu sentir bon, genre de base, genre sans parfum, bah genre, ouais, en mode, tu sens bon. Ouais, bah, je préfère sentir rien. Hein. Avoir un style. Comment t'es de côté? Si, c'est important. Ok. Pardon. Non, j'avoue, avoir un style, c'est important quand même. Et. Genre en mode t'es là, tu sors, tu sais pas t'habiller et tout. Ouais, genre c'est chaud. Moi je préfère en tout cas avoir un style et ne pas avoir d'odeur. Genre ne pas sentir mauvais, mais ne pas avoir d'odeur. Ouais, sentir rien quoi, parfois. Ouais. Du coup, prochaine question. Tu préfères 100 piqûres de moustiques ou casser ton téléphone? Je préfère casser mon téléphone. 100 piqûres de moustiques. 100 piqûres sur ton corps, 100 piqûres. Déjà quand t'en as une, ça gratte. Alors 100. Moi, je préfère casser mon téléphone. Ça se répare, pardon. Ouais, j'avoue. Ça se répare. 100 piqûres de moustiques, c'est-à-dire que quand tu as gratté, ça va te faire des cicatrices et tout. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. Non, 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 non. Non. Ouais, moi, je préfère casser mon téléphone. Hein. Tu peux réparer tout alors que pique. Eh, 100 piqûres de moustiques. C'est vrai que c'est chaud. Hein, comme c'est une dinguerie. Ça doit faire trop mal. Et ça va sortir comme un chien dalmatien, là. Du coup, moi, je préfère avoir... casser mon téléphone. Ouais, moi aussi. Du coup, prochaine question. Tu préfères te casser une dent devant tout le monde ou te casser une jambe? Moi, je casser une jambe. Moi, je préfère me casser une dent. T'es malade. Attends, casser une jambe, après, tu la répeintes. Tu la répeintes. Ça va, tu te casses une dent, tu vas chez le dentiste. J'ai mécanicien. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai vas chez le mécanicien. Non, personnellement, je préfère me casser une dent, genre. Non, moi, je préfère avoir la jambe cassée. Bah, après, casser... ça, mais après, c'est casser une dent devant tout le monde. Hein. Bah, moi, je préfère avoir la jambe cassée. Parce qu'après, ça se répare. Tu prends une appel. Ah non, moi, je préfère. Tu casses une jambe. Tu sais, c'est combien de après, temps après, je sais pas si t'arrives pas bien à marcher, t'as mal. Ah non, je préfère casser une dent. Tu vas chez le dentiste ou truc, il te fait un plombage ou un truc. Ah ouais, moi, je préfère me casser une dent. Casser une jambe. Imagine maintenant ta jambe est bizarre, mais moi, j'aime bien avoir. J'aime bien avoir le bras cassé. Chaque chose.
Non, non, moi je préfère la personne. Non. Genre, tu te casses une jambe, tu peux pas marcher. Imagine, non, c'est pas guérissable en mode. Tu peux pas guérir. Eh ben, si c'est pas arrivé, je préfère un temps. Mais si ça peut être guéri, je ferai la jambe. Ah, t'es trop chelou. On n'a pas la dent. Trop moche, ouais, sinon. Bah, moi je préfère casser une dent. La jambe. Du coup. Et vous, vous préférez pas du coup? Ouais, dites-moi en commentaire. Si vous préférez vous casser une dent devant tout le monde ou vous casser une jambe. Moi personnellement, c'est la dent. D'accord. Du coup, prochaine question. Tu préfères que tout le monde se moque de toi ou que tout le monde t'ignore? Ah! Genre en mode, c'est dur! C'est dur! En mode, maman. Tout le monde se moque de toi ou tout le monde te calcule pas, genre. T'as beau parler, t'as beau faire un truc, personne va te calculer. Moi, je préfère que tout le monde m'ignore. Ouais, de ouf, hein. Parce que se moquer de toi, tiens, après, ça fait mal. Non, non. Dépression? Ouais, non, après, ouais, non. Non, il y en a des suicides à cause de ça et tout. Pardon. Ouais. En plus, moi, j'aurais pas les épaules et tout, ça va m'énerver. Après, j'aurais envie d'insulter toute la planète. Ouais, ouais. Non, je préfère que tout le monde m'ignore. Ouais, mais aussi. Ça aussi, c'est chaud. Genre, c'est-à-dire, tu parles, personne te calcule. Mais. Moi, je préfère ça. Tu préfères ça? Moi, je préfère. Moi, je préfère que tout le monde m'ignore. Ouais, moi aussi. Mais c'est mieux. Et même ta famille? Tout le monde, Yaya, tout le monde. En mode, personne ne te calcule. Non, ouais, je préfère être toute seule. Ouais, moi aussi, en vrai. Je pense que ça va être dur mentalement, mais ce sera mieux. Mm. Du coup, dernière question. Tu préfères devoir de l'argent à quelqu'un toute ta vie ou ne plus avoir internet de toute ta vie, genre? Moi, je préfère devoir de l'argent. Hein. Mm-mm. Internet, c'est trop important. Si j'ai de l'argent. Si j'ai pas internet, comment je vais faire certains trucs? Non, c'est mort. Non, ouais. Mais genre, tu lui dois une grosse somme toute ta vie en mode. Genre en mode de. Dis-moi, et Chelsea, internet, c'est trop important, wesh. Genre en mode. Pour sortir. Maintenant qu'il faut sortir, faut avoir internet. Moi, j'avoue. Tout c'est-à-dire que quand tu t'ennuies, genre. T'as pas internet en mode. Wesh, tu vas rester comme ça. Ah non, ouais, non. Moi je préfère devoir de l'argent. Même si ça va me faire mal, mais. Autant. Même, tant que tu pardonnes. Hey, ça bug, hein. Ah là 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 là, ça bug. Si tu peux manger, si tu peux t'habiller, si tu peux nourrir ta famille, c'est bon. Si tu peux te loger aussi. Ouais, si tu peux te loger, c'est bon. Le strict minimum. Ouais, j'avoue. Mais donne-moi l'internet, s'il vous plaît. Non, l'internet, c'est trop important. C'est, là, trop important. C'est comme si je sors, j'ai pas de 4G. Ouais, je vais faire quoi sur mon téléphone? Rien! Non, 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 même si on a dit écouter de la musique. Mais surtout quand on est hors service, ça fait chier. Ça fait chier. Pardon. Donc, ouais, non, moi je pense que je préfère de l'argent. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Ouais. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Donc, je vais mettre en barre d'infos et là, là. Du coup, voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Bye. Au revoir.